écoutez, je pense que voilà, c'est de toute manière, il n'y avait pas de tirage simple. Ce qui est bien, c'est qu'on va jouer à domicile. Donc ça va faire une fête de plus chez nous. Maintenant, peu importe l'adversaire, moi, il est évident qu'on joue toujours un match pour le gagner, surtout un match de Coupe de France. Maintenant, la tâche s'annonce difficile quand même avec un adversaire qui joue les premiers rôles dans son championnat. Donc, voilà, on n'a rien à perdre dans ce match-là, on donnera le maximum. Et puis j'espère qu'il y aura du monde et que le public sera présent et nous poussera comme il l'a fait ce week-end contre Châteauneuf. Écoutez, concernant le tirage, on est relativement satisfait. On rencontre une équipe inférieure à nous au niveau de la division, mais par contre on sera très vigilant pour essayer de passer au 7e tour de cette Coupe de France. Comme vous le savez, on savait que ça allait être un tirage très compliqué puisqu'il ne reste plus que 8 équipes sur ce dernier tour régional. Après, la seule bonne chose, c'est que le tirage était inversé, puisque West Tourangeau avait reçu le dernier match. Donc maintenant, voilà, tous les matchs sont compliqués. On dirait que ce sera un bon tirage à la fin de ce match dans 15 jours. Maintenant, on sait que c'est très très compliqué. Il y a 2 ans, on était là-bas, on était passé par la plus petite des portes, puisqu'on avait gagné au pénalty. West Tourangeau, c'est un club qui est en train de progresser d'année en année. Donc j'espère que les joueurs vont tout donner pour qu'on puisse sortir de ce tour régional. Pardon. Écoutez, Romorantin à nouveau, c'est dommage, ce sera chez eux. On espère faire un bon résultat là-bas. Le match avait été assez serré il y a 2 ans. Donc on espère aller plus loin et puis pour une fois passer le 6e tour et accéder au 7e tour. Voilà, et que la fête soit belle. Le point positif, c'est qu'on va recevoir à Saron. Maintenant, on va jouer contre une très belle équipe de Chartres. Donc la performance qu'on a réalisée dimanche dernier, ça sera à refaire à nouveau contre cette équipe nationale. Donc ça sera une belle affiche à Saron. Donc on a hâte de pouvoir y être et bien évidemment avec l'objectif d'accéder au 7e tour.